Salut, shalom, salam, bienvenue sur la chaîne Système Deal. Et si George Orwell avait tout vu lors de l'écriture de son roman 1984? On en parle avec un spécialiste, le chat maigre, qui va nous faire un petit comparatif entre ce qu'a écrit Orwell et ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, en France, pendant cette crise sanitaire. À tout de suite. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. J'accueille tout de suite le chat maigre pour nous parler d'Orwell 1984, mais pas que. Il va aussi nous expliquer ce qu'il a vécu en tant que professionnel avant tout par rapport à cette discrimination liée au pass sanitaire. Bonsoir, monsieur le chat Bonsoir. maigre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ici le chat maigre. Ouais, Ouais, donc un chat dis-moi. maigre grossophobe. Pas du tout. Maigre, mais qui aime les gros. Voilà. Alors, comme j'ai annoncé avant de vous prendre à l'antenne qu'on allait un petit peu parler de 1984 et de cet auteur, Mr. Orwell, dont j'ai oublié le prénom, George Orwell, Tout à fait. avant que tu nous parles un petit peu de ta vie personnelle et de ce que tu as vécu de discriminant, est-ce que tu peux juste nous dire de quoi parle 1984? Ouais. C'est vrai qu'on en discutant avec toi, Batmoon, tu m'as demandé, tu m'as dit, ouais, moi je te parlais beaucoup de 1984, je l'ai fini de le relire, hein, je l'avais lu il y a 20 ans, et en fait je me rends compte que, donc je vais en parler 2 minutes, mais moi j'invite tout le monde vraiment à le lire, c'est-à-dire que chaque page est... Bah, t'as bien vu, comme on est un petit peu en communication, que je t'envoyais beaucoup de choses, mais en fait, à chaque page, j'aurais pu t'envoyer un bout de texte parce que ça ressemble tellement à ce qu'on vit en ce moment et à ce qui peut arriver que moi, j'invite vraiment tout le monde. Si vous avez, là, en plus, c'est les vacances, c'est un bouquin qui se trouve en poche d'occasion, rien du tout. Faut vraiment acheter ce bouquin et le lire. Voilà, c'est un roman qui se lit très bien, en plus, c'est bien écrit. Voilà. Alors, 1984, c'est un roman qui a été écrit par Orwell en 1948, mais il a été écrit beaucoup Ah plus tôt. non, 1984, Michel. Ah, d'ailleurs, alors, pour la petite histoire, 1984, c'est la date du film qui a été fait, qui a été tiré de ce roman, que j'ai vu, du coup, que j'avais pas vu. C'était un manquement cinématographique de ma part, et que j'ai vu là ces derniers jours, qui est un beau film, qui est vraiment un beau film, mais ça, comment dire, ça édulcore, on va dire, beaucoup le roman, ouais, comme tous les films en général, mais vraiment, pour la situation qu'on vit actuellement, faut vraiment lire le roman. Voilà, c'est un beau roman en plus. Donc voilà, il a écrit ça, je crois qu'il l'a écrit un peu plus tôt. Mais vraiment plus tôt que sa parution. Il a dû sortir en 48 ou 49 le livre et il a dû l'écrire en 43, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment pendant la guerre, enfin, fin de la guerre, après-guerre. Et bah, c'est une critique ouverte du communisme. Voilà, mais en fait pas que. Au final, on s'aperçoit que voilà, c'est une vision d'une société. Alors comment je dirais ça? Une société de surveillance. Donc il y a ces fameux télécrans qui sont partout chez vous, là, votre boulot partout. Donc faut imaginer qu'il écrit ça dans les années 40. Hein. Donc il imagine quelque chose qui ressemble à une télé qui à la fois vous voit et que vous dont vous voyez évidemment l'écran. Donc Internet en fait. Voilà. Dont les visios, les voilà votre smartphone, etc. Donc j'ai un ami dont je citerai pas le nom. Ouais, il est en Qui, prison. qui, non, il n'est pas en prison. Qui, oui, du coup, c'est pas, c'est un ami, c'est un copain qui m'a dit. J'ai dit oui, Orwell. Je dis, il a tout vu avant tout le monde. Il m'a dit visionnaire ou initié. Et c'est vrai que c'est tellement troublant ce roman écrit si à ce moment-là qu'on se dit peut-être qu'Orwell, en fait, il faisait partie de groupes. Je sais pas moi, je veux pas faire du complotisme de bas étage, hein, mais peut-être qu'il fréquentait des groupes où on annonçait ça déjà. Voilà, qu'il y avait déjà un plan de bataille, qu'il y avait déjà une idée comme ça, même si c'était pas hyper. Voilà. Mais le roman est vraiment troublant. Moi, je vous invite vraiment à le lire.
Il y a un copain du foot là qui nous a dit ouais, c'est un peu morose de lire ça en ce moment, je préfère lire d'autres choses pour me changer les idées. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, je pense que ça vaut quand même vraiment le coup de le lire. Je m'excuse, j'enlève juste un truc pour gagner un peu de batterie. Oui, donc pardon pour le côté technique. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Cette société de surveillance et puis aussi un travail sur la mémoire, c'est-à-dire que en fait tout dans ce roman, alors je vais pas spoiler tout le roman, mais en gros on enlève tout ce qui embête sur la mémoire, c'est-à-dire si le parti a fait quelque chose et puis que ça plaît plus ou qu'il faut plus le dire comme ça, et ben on change les journaux de l'époque, voilà, il y a tout un service comme ça dans lequel le narrateur travaille d'ailleurs. Et il change les faits, en fait. Voilà. Donc on change les pourcentages, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Si vous faites des parallèles avec aujourd'hui, les chiffres, les pourcentages, quand ça arrange, en fait. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de mémoire, en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a ceux qui n'ont jamais connu autre chose que ce parti-là dans le roman. Et du coup, ils n'ont pas un point de comparaison avec ce qui s'est passé avant. Donc ça aussi c'est important. Je sais pas si on peut le citer, mais il y a Fabien Moine qui a fait une vidéo. Si tu peux le citer, mais il faut dire qu'il n'est pas complotiste. Il n'est pas complotiste. Fabien Moine qui a fait une vidéo live sur les jeunes et tout ça. Alors ça faisait un peu vidéo de vieux cons. Je me mets dedans. Hein. Donc les jeunes hein, et pas les jeunes. Hein. Rien à voir, voilà, avec le fait de ne pas s'alimenter. C'est plutôt ta spécialité. Ouais. Les jeunes les jeunes qui ont 20 ans et qui ont connu que cette société smartphone, tout ça. Alors, nous qui sommes un petit peu plus âgés, on l'a vu arriver. Et du coup, on a un point de comparaison de ce qu'était avant et après. C'est plus dur quand on n'a pas connu effectivement l'avant. De se dire, par exemple, dans 1984, petit extrait, à un moment donné, ils vont chez quelqu'un de très riche et il a des citrons, je crois. Et en fait, la jeune fille, elle sait pas ce que c'est un citron, en fait. Enfin, elle sait ce qu'on lui a raconté, mais elle en a jamais vu pour de vrai, quoi. Et voilà, il y a des choses qui sont pas... donc, pas possible de... Voilà, il y a des choses qui restent conceptuelles et donc qu'on n'a pas vécues, quoi. Donc il y a un travail sur la mémoire. En fait, voilà, pour résumer, société qui enlève toute forme de mémoire. Hein, on se rappelle que est-ce que les gens se rappellent de ce qui s'est passé depuis mars 2020, c'est-à-dire que le 13 mars 2020 ou le 16 mars, on nous annonce le confinement. Et puis après, c'est difficile de se rappeler toute la chronologie des choses. Moi, je m'en rappelle parce que je faisais des vidéos. Voilà. Tant qu'elles sont pas censurées, je m'en rappelle. Nous, on revient par exemple sur les propos du président qui a dit le vaccin sera jamais obligatoire. Et puis en fait, voilà. Donc ça rappelle, mais il y a tellement eu de choses qui ont été dites et l'inverse qui a été fait. Voilà, on réécrit comme ça. On réécrit et la plupart des gens ont oublié, suivent le narratif et puis suivent la narration de ce petit récit du Covid. Et puis ça avance, quoi. Et puis voilà. Donc voilà, chronique ou résumé, ça serait difficile parce qu'il faudrait s'arrêter sur chaque page. Si vous voulez, je peux vous lire quelques lignes d'un moment où il parle justement de cette société. Et sinon, il faudrait qu'on crée un concept. On va faire un livre vidéo, parce que livre audio, ça existe déjà. Ouais. Mais là, je vais venir te filmer pendant que tu lis le livre. Ah ouais, ce serait pas mal. Mais il y en a qui font ça, des vidéos où t'as des gens qui lisent des bouquins et tu les vois lire le bouquin. Et d'ailleurs, des fois, c'est souvent... il y a un Kemar qui se moquait d'ailleurs de ça sur un podcast sur la lecture, parce que souvent, il mettait aussi des nanas un peu jolies, friolantes, et puis elles te lisaient un bouquin. Ça passait à la télé en fin de soirée. Ah oui, là, ce serait pas une nana, ce serait toi. Mais voilà, je te mettrai un bon micro, comme ça il y aura aussi un bon audio et ça permettrait de combler un petit peu tes lacunes physiques. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est un auditeur là à l'instant. Alors il y a un passage, je sais pas, moi je suis pas très livre audio, mais si vraiment facilement sur YouTube, moi il me le propose assez souvent, le livre audio de Orwell 1984 qui doit durer 12 heures d'ailleurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc si vous préférez les livres audio ou l'écouter en faisant une autre activité, pourquoi pas, mais je pense que c'est un roman qui mérite quand même de s'y plonger. En fait, je vais juste vous lire un tout petit passage où il raconte en fait la différence entre les tyrannies du passé, c'est-à-dire le communisme, le nazisme, etc., et cette
nouvelle tyrannie qu'il connaît dans 1984. Il dit, je le cite, donc là il parle des dirigeants des tyrannies passées. Les dirigeants étaient toujours plus ou moins contaminés par des idées progressistes. Ils s'accommodaient fort bien de laisser des boulons desserrés ici ou là, en ne s'intéressant qu'aux actes manifestes sans chercher à savoir ce que pensaient leurs administrés. À l'aune des critères modernes, l'Église catholique telle qu'elle était au Moyen-Âge passerait pour tolérante. Il dit l'une des raisons en est que jadis aucun gouvernement n'était en capacité de surveiller ses citoyens en permanence. Voilà. Or, l'invention de l'imprimerie a facilité la manipulation de l'opinion, et le cinéma et la radio ont parachevé le processus. Le développement de la télévision et l'avancée technique permettant d'émettre et de recevoir à partir du même appareil ont signé la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou du moins tout citoyen assez important pour qu'on le surveille, pouvait être placé 24 heures sur 24 sous le regard de la police et à portée de voix de la propagande officielle, à l'exclusion de tout autre canal de communication. Imposer une obéissance complète à la volonté de l'État, mais aussi une parfaite uniformité d'opinion sur tous les sujets devenait possible pour la première fois. Donc en fait, c'est assez troublant, parce que quand on lit ça, il écrit ça en 1940 quelque chose, et en fait, il est en train de décrire là où on est, quoi. C'est-à-dire, en fait, toutes les moi j'avais une théorie en me disant, toute dictature, elle laisse toujours une marge de récalcitrants et tout ça. Il y a toujours eu pendant la prohibition, on vendait de l'alcool aux États-Unis. Dès qu'on interdit des choses, le pouvoir accepte qu'il y a des gens qui soient à la marge et qui voilà. Ils le disent pas officiellement, mais ils savent que ça existe. Ils peuvent pas tout contrôler. Sauf que là, ce que dit Orwell, et il se projette sur ce qui pourrait ressembler à ce que nous on vit aujourd'hui. Le progrès technique permet de surveiller tout le monde 24 heures sur 24. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai vu ça vite fait sur. J'ai pas vraiment regardé précisément, mais j'ai vu ça aujourd'hui en rentrant là, du boulot. Il y a une vidéo YouTube avec un. Il parle des drones, je crois, de l'utilisation des drones. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, si, j'ai vu ça. Et j'ai vu ça vite fait, mais et du coup j'ai l'impression que ça en parlait au Parlement ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'était déjà dans le projet de loi de la sécurité globale, hein, les drones. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on a appris qu'ils avaient acheté pour je sais pas combien de millions de drones l'année dernière pendant le confinement et tout ça. Alors pour la petite anecdote, je suis rentré chez moi, j'ai bu une petite bière pour profiter de mon jardin, et en fait j'entends un bruit au-dessus. Avec modération. Une seule injection. Et du coup, il y avait un drone qui est passé au-dessus de mon jardin. Alors, ça a l'air d'être d'un drone plutôt domestique. Ouais, domestique, il me semble. Mais ça fait bizarre quand même. C'est-à-dire que vous êtes dans ton jardin, tu te dis je suis tranquille, t'entends un bruit, et en fait, voilà, si le drone il commence à te dire non, vous n'avez pas le droit de boire une bière, vous n'avez pas assez de crédit social, rentrez vite chez vous. Là, tu peux commencer à vraiment flipper. C'est Robocop. Coup, voilà. Tous ces films de fiction là. La chose qui est troublante vraiment, et moi voilà, ce livre, regardez le film si vous voulez, regardez le film ou prenez le livre audio, mais vraiment faut vraiment se l'offrir ce bouquin. En plus j'ai fait pas mal de librairies ces derniers temps parce que j'arrête d'acheter sur des plateformes internet. Et je suis allé dans plusieurs villes de par mon boulot. Maintenant, tu peux plus, hein, passe sanitaire. Non, si, c'est bon. Librairie, on peut. Librairie. J'allais dans pas mal de petites librairies, 4-5, comme ça. J'ai demandé du Orwell parce que je cherchais autre chose, en fait, d'Orwell. Mais en fait, ils ont toujours au moins 1984. Donc, il est hyper trouvable. Et je trouve que c'est aussi un peu l'ironie. C'est Gallimard. On dit Liberté. Ouais, bon, il est édité chez tout le monde parce que maintenant, il est passé hors... Exuvie pourrait le l'éditer. Il est dans le domaine public, je crois. Il est partout. Et c'est peut-être ça aussi l'ironie. C'est que souvent, tu sais, la vérité, elle est là, en fait. Il suffit de l'attraper. C'est comme dès que tu fais des recherches sur Internet, tu comprends pas mal de choses assez rapidement. Les bouquins, ils sont là, en fait. Sauf qu'on ne prend pas la peine de regarder. En tout cas, attention, vous sombrez dans le complotisme, monsieur. Ouais, je suis obligé de vous mettre un carton jaune. C'est pas du complotisme parce que c'est là, en fait. Vous allez dans une librairie, vous allez sur Amazon, ou je sais pas quoi, vous êtes 1984, vous pouvez vous l'acheter. Et d'ailleurs, même, il y a plein de gens qui disent, oh, c'est un des plus beaux romans de dystopie. C'est reconnu, d'ailleurs, comme le roman le,
dystopique le plus connu et le plus magistral. Qu'est-ce que la dystopie, cher monsieur? La dystopie, c'est des romans qui se projettent dans un futur plus ou moins lointain et plus ou moins sombre. Voilà. Donc, il y a pas mal, par exemple, de romans de science-fiction comme ça. Voilà. Minority Report, rapport minoritaire. J'ai regardé hier à nouveau. Vraiment très bon. Très bon film. Ouais, ouais. On en a parlé dans ton... Dans un de mes lives que j'ai supprimé. Philippe K. Dick, qui est un grand, très grand écrivain de science-fiction et qui faisait de la dystopie comme ça sur la société. Voilà, donc en gros, pour résumer, société de surveillance, et c'est ça qui est hyper flippant, parce que en fait, dans les discussions, c'est pas injection ou pas injection, c'est pas passe sanitaire ou pas, mais c'est vers quoi on va, en fait, vers à quoi ça ressemble, quoi. Reconnaissance faciale, vie privée, voilà, si on, ça c'est assez flippant quand même, l'imaginer. Voilà, et oui, il y a un dernier truc sur ce livre peut-être, c'est qu'en fait ils expliquent que la dictature finale, en fait, la tyrannie au-delà des tyrannies, c'est pas de, comment dire, de modifier ton corps ou modifier ton âme, enfin de changer par la violence, mais c'est que tu te faire croire que t'es libre, en fait. Voilà. Que t'es libre d'aimer Big, parce que c'est Big Brother. Je crois que j'ai entendu un truc qui ressemble à ça. Ouais. Que tu es libre d'être un esclave. Voilà, j'ai entendu un truc comme ça. Ouais, c'est bien dit, c'est ça. Et moi, ma phrase de ces derniers jours que je dis à beaucoup de gens que je croise au boulot, tout ça, c'est cette fameuse phrase qu'on dit, la liberté, on la demande pas, on la prend, en fait. À partir du moment où tu demandes ta liberté, et ben, c'est déjà que t'es plus libre, en fait. Ça marche avec les filles, ça, ou pas? Aussi, ouais. D'ailleurs, ça rejoint ce que dit, je suis tombé dessus, là, mais tout le monde l'a déjà vu, je pense, 100 fois, mais la vidéo d'Atali, qui date de 1989. Quand il a des cheveux. Ouais, où il a des cheveux noirs. Ouais, j'ai vu. Il explique ça. Voilà, notre projet, c'est ça, c'est de te faire croire que tu vas être libre, mais en fait, tu vas te formater un modèle qu'on t'a donné. Ah bah oui, c'est la vidéo. En fait, je sais d'où ça me vient. C'est Atali qui a dit ça. En fait, cette phrase. Je l'ai regardé tout à l'heure. C'est pour ça que c'est merveilleux. Ouais. Voilà, on l'interview à la télé. Voilà, il dit ça dans les années 80, je crois. Et en gros, c'est le projet, quoi. Donc, parce qu'il faut se dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est compliqué, c'est qu'en fait, oui, il parle déjà de la santé, etc., et que ça va être le prétexte. Ça, génétique, etc. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Après, je sais pas comment il l'explique. Enfin, ce qui est dur dans les théories du complot, les théories tout court, que ce soit des théories qui expliquent les sociétés, parce que théorie du complot, ça va vite. C'est comment il explique ça. Est-ce que c'est quelqu'un de perspicace ou est-ce qu'il est déjà moi je dis pas qu'il y a des gens qui sont autour d'une table, mais tu vois, il a quand même une réflexion par rapport à ça, et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le prennent au premier degré, si tu veux. Ils doivent se dire, mais c'est un cinglé celui-là, qu'est-ce qu'il raconte. Soit c'est vraiment Madame Soleil, tu vois, il est un astrologue, ou soit il sait des choses qu'on sait pas. Mais en fait, peu importe finalement, parce que oui, t'as raison. Ça peut être, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Orwell et le copain qui me disait, ben, est-ce que c'est un visionnaire ou un initié? Peut-être que Atali, y a peut-être deux hypothèses. On peut te traiter de complotiste en disant, ben oui, Atali fait déjà partie d'un gratin oligarque machin, et ben c'est le projet défini, etc. Donc voilà, ben, t'es un complotiste. Ou alors il perçoit que ça va dans ce sens-là. Pourquoi pas? Il a dit le prochain président ça serait Macron, et puis après ça serait une femme. On verra en 2022 s'il est visionnaire. Après, ce sera peut-être un trans, hein. Voilà, peut-être. un trans en France, ça sera bien. C'est la kiff France. Et donc on sait pas. Mais moi je me dis aujourd'hui. La République de trans. Je m'en fiche, en fait, parce que ça soit qu'ils aient programmé, mais je pense qu'il y a quand même des grands projets, il y a quand même des gens, faut pas croire que les gens qui sont dans cette fameuse élite, ils réfléchissent pas, en fait. Voilà, après là où moi je suis pas complotiste, je rejoins notamment Marc Enwarnab là-dessus, c'est tout peut pas, en fait, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de choses, donc on peut avoir des grands projets, tout ne peut pas être programmé, quoi. On sait qu'il y a un projet de transhumanisme
de transhumanisme avec l'homme augmenté, tout ça. Le projet de transhumanisme et de l'homme augmenté, il n'est pas caché. Et du coup, voilà, ça c'est un grand projet. Donc, il y a des projets comme ça sociétaux. L'exemple actuel le plus drôle, c'est que j'entends encore. J'ai encore entendu dans une vidéo, je sais plus qui c'est qui disait ça. Ah oui, c'était Laurent Mucchielli, qui est un sociologue que j'aime bien en plus parce que dans mes études, je l'ai étudié dans le travail social et il est intéressant. Mais il arrive pas à dire, il dit quand même, il est passé chez, comment il s'appelle, Juste Milieu. Le complot avec tout qui est planifié, c'est assez rare. Il y a plutôt des convergences avec des gens... disons-le, par exemple, le capitalisme, il n'y a pas besoin d'avoir un plan foufou là-dedans, quoi. Tout est bon. Oui, voilà, tout ça, est bon. Ça. Par exemple, la croissance verte, sous couvert d'écologie, on continue à enrichir les riches. Et puis ouais, après, voilà, il y a des crises sanitaires, des crises écologiques. Enfin, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, tout s'enchaîne correctement pour ces gens-là. Et puis c'est d'ailleurs dans le ce que je disais, je sais pas si c'était t'avais perdu le son, je te parlais de Laurent Mucchielli qui parlait de ouais qui était juste au milieu de complotisme et de Gret Rozette, alors que Gret Rozette c'est un bouquin qui existe, qui a été écrit par Klaus Schwab, le fondateur de Davos, donc c'est pas ça veut pas dire qu'il tient le monde entier ce gars-là, mais il est déjà quand même quand même influent. Il y a un projet, c'est-à-dire qu'après il peut se passer que, je sais pas moi, il y a des catastrophes écologiques qui font que ça empêche d'eux, ou une guerre ici, ou un peuple qui se soulève, ou donc tout se passe pas sans accroc, mais par contre il y a un plan de route, quoi. Et ça, on voit que voilà, faut être aveugle pour voir qu'il n'y a pas un plan de route des dominants. Quoi. Et sans être complotiste, voilà, l'ultra-capitalisme, on n'est pas complotiste quand on dit que tout est dominé par l'argent et que quand, par exemple, un pays fait une guerre, c'est pas au nom de la démocratie. Il y a rien de complotiste là-dedans. On le voit bien au niveau sanitaire, l'hôpital public dézingué, le Big Pharma, enfin voilà, c'est des choses qui sont, c'est clair et net. Alors après, pourquoi pas, une fois que tu connais ton ennemi, c'est bien, tu sais, mais au moins ne pas se mentir là-dessus, quoi. Voilà. Mais oui, on disait, je sais pas pourquoi on en est venu là, mais en tout cas, je ne sais plus. En tout cas. Lisez Orwell. Là, en ce moment, je suis en train de lire. Alors, celui-là, je l'avais jamais lu, mais il paraît qu'il faut le lire avant. Avant Orwell. C'est La Ferme des animaux. C'est un conte avec des animaux qui prennent le pouvoir sur leur ferme, en fait. Ah, on m'en a parlé. Ouais. Et du coup, c'est plutôt du coup gentil. Enfin, pour l'instant, quoi que. Bof, il y a quand même des scènes un peu. Mais bon, ça, c'est dans le même état d'esprit que 1984. Hein, c'est... Bon, à la base, c'est vraiment une critique du communisme aussi. Et c'est un. D'ailleurs, il a eu très, très beaucoup de mal à se faire éditer. T'as un mec d'ultra droite, toi, mais fais gaffe, hein, t'arrêtes pas de cracher sur la gauche. Hein. Ouais, c'est pas la gauche. Le communisme, c'est pas forcément la gauche. Hein, le communisme stalinien. Moi, je l'ai déjà dit mille fois, mais mon grand-père qui a connu le nazisme et le communisme et qui a failli se faire tuer par les deux m'a toujours dit, et pourtant mon grand-père c'était déjà il était très apolitisé, les partis politiques ne l'intéressaient pas, au moins l'hitlérisme pour lui était frontal, était tu te faisais choper. Tu savais que bing, voilà. Mais le communisme, c'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que tu as peur de ton voisin. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, là, avec Attal qui veut des ambassadeurs, les ambassadeurs de la vaccination. Tout le monde a peur de tout le monde. Et tu sais pas, quand tu discutes avec quelqu'un, si, d'ailleurs, dans 84, c'est ça, c'est que pour faire la révolution, la dissidence, c'est très compliqué parce que, comme il y a des télécrans partout, ils peuvent même voir que, et toi, il dit ça en 1940, faut encore remettre dans le contexte. Il parle de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit le télécran, il peut revoir si t'es un visage, ton expression de visage peut dire quelque chose de ton sentiment intérieur. Quoi. Il est plus fort qu'Atali, quoi. Comment ? Il est plus fort qu'Atali. Il est plus fort qu'Atali, ouais. Mais en fait, il a fait la synthèse, je pense, du nazisme et du communisme en se disant qu'est-ce qui serait pire que ça. Puisque c'était déjà affreux,
J'ai lu un bout de sa biographie. Et en fait, il y a une phrase qui m'a choqué, c'est quand il dit, oui, à l'âge de 11 ans, la Première Guerre mondiale éclate. Et je me dis, en fait, il y a des gens quand même qui sont nés et qui ont vécu les deux guerres mondiales. Quoi. Ouais, donc nous, le Covid, c'est bon, on va pas pleurer non plus. Hein. Ben non, je me dis, quand on a des enfants, on se dit, on aimerait bien qu'ils vivent pas dans une société de merde, mais en même temps. On choisit pas de naître en 1900 ou en 1910 ou en voilà. Et puis il y a les boomers qui sont nés juste après guerre et puis eux qui ont connu 70 ans de bonheur, le plein emploi, les libertés à tout va, la thune, voilà. Donc en tout cas, par rapport au télécran, Orwell, il a même pas connu le télécran des années 80, si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est affolant. C'est affolant. C'est-à-dire qu'il te parle d'un écran qui te surveille. Il y a aussi un truc, il y a une scène où c'est le matin et en fait tu te fais réveiller par ton télécran et t'as une nana qui te fait faire ton exercice physique pendant 10 minutes. Quoi. Et en fait, tout ça, c'est ça qui est horrible dans cette société, c'est que t'as pas le choix en fait. T'es cerné de partout. Quoi. T'es cerné de partout. C'est super bien écrit à ce niveau-là. Finalement, il y a un endroit où ils arrivent à sortir un peu des micros et tout ça, mais lui, il pensait pas à l'époque aux drones, hein, pour le coup, il n'en parlait pas. Mmh. C'est dans la nature, quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec son premier rendez-vous avec cette jeune fille. C'est dans un endroit où, a priori, il y aurait, alors a priori, mais c'est pas dit, où il y aurait pas ni de caméra ni de micro, quoi. Voilà. Parce qu'il pense qu'il y a quand même des micros qui sont mis dans les buissons à certains endroits, etc. Tu deviens parano après. Hein. Encore une fois, on est en 1940. Hein. C'est-à-dire que faut imaginer quoi. Nous aujourd'hui, on peut clairement s'imaginer. Alors oui, par exemple, en lien, parce qu'il faut faire le lien avec la réalité. Moi, quand je lis ça, l'autre coup, j'ai mis une radio mainstream dans la voiture pour aller à la manif complotiste et j'entends deux choses. Et après j'ai coupé parce que j'avais envie de vomir. C'est France Inter, ils font on va faire le tour des complotistes. On fait le tour des élus régionaux. Tu sais, il y a eu les élections régionales, donc ils ont fait une sorte de tour de France des élus régionaux et de voir s'ils ont tenu leurs promesses. Et dit on va s'intéresser à l'élu. Je crois que c'était le Grand Est. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il promettait? Donc lui, il était plutôt sécuritaire et donc il a promis quelque chose qu'il a tenu. C'est il offre 20 000 euros. À tous les villages qui décident de s'équiper en caméra. Voilà. Donc on en est là. C'est-à-dire que ça touche clairement en France en 2021. Il y a une subvention de 20 000 euros pour tout village qui veut s'équiper. Mais tu sais pourquoi? Parce que la vidéosurveillance, c'est aussi une question de moyens. C'est plus facile pour eux de mettre des caméras que de recruter des êtres humains qui vont travailler, quoi. Il y a ça, mais du coup, on est vraiment dans cette. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai roulé un peu dans la campagne. Je pense, par exemple, rien que les radars. La personne qui est à côté de moi me dit, tu crois que c'est un radar qui voit si t'as un téléphone dans les mains, la ceinture ou pas et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le radar, il te voit en fait. C'est-à-dire que tout est filmé en fait. On est filmé de partout. Il y a un artiste qui a essayé de traverser, je crois, New York sans être filmé. En fait, il y a pas une rue dans New York où t'es pas filmé. Et puis là, ça arrive dans les petits villages de France. Donc en fait, Orwell, il avait même pas ça en tête. Je veux dire, la surveillance. Le deuxième truc que j'ai entendu à la radio, et là, ça rejoint ce qu'on a dit sur le transhumanisme, c'est une étude qui a montré que la chirurgie esthétique, les principales, alors parce que apparemment c'est très féminin quand même, les principales clientes ont entre 18 et 25 ans. Alors on pourrait imaginer que comme ça, dans une image d'épinal, que la chirurgie esthétique, c'est les nanas de 50 ans qui viennent pour enlever une ride. Maintenant, c'est les Instagrammeuses. Voilà. Elle disait d'ailleurs, je ne sais pas si c'était dans l'étude, si c'était un sociologue qui avait interrogé, si ça revenait souvent, je ne sais plus. En tout cas, je crois que c'est le journaliste qui disait, elles veulent tous le corps de Nabila. Oui, c'est ça, c'est génération Instagram, si tu veux. Oui, effectivement, elle a un corps voluptueux. Mais voilà. C'est les jeunes qui veulent absolument ressembler à des gens qui sont photoshopés, qui sont mignons ou mignonnes sur Instagram et qui sont prêts à tout pour tout se refaire. Sauf que la différence, c'est que
y a 50 ans de ça, quand tu étais fan de Johnny et que tu voulais ressembler à Johnny, bah, tu te laissais pousser les cheveux. Ou nous, si on était fan de Kurt Cobain, bah, tu te laissais pousser les cheveux, tu mettais un pantalon troué et puis c'était cool. Et là, c'est une atteinte à ton corps à 18 ans. C'est-à-dire que tu te fais faire de la chirurgie. Et au départ, la chirurgie esthétique, on nous l'avait présentée comme de la chirurgie réparatrice. Oui. Les gens qui ont vraiment un visage déformé ou qui ont... tu t'es fait griffer par un tigre, tu t'es fait brûler en voulant brûler ta femme et en fait c'est toi qui t'es brûlé, enfin voilà, un truc comme ça. Un truc classique. Donc voilà, mais donc en fait voilà, c'est tout comme ça quoi. Et c'est pour ça, moi j'écoute pas beaucoup de mainstream, j'avoue, mais quand t'allumes une radio et tout ça, en fait tu te rends compte que c'est c'est hallucinant quoi, c'est tout est dans le même sens, en fait. Et c'est pour ça que je dis, le projet, il n'y a pas quatre personnes qui se réunissent. Enfin, j'en sais rien, peut-être. Mais moi, je ne suis pas complotiste à penser qu'il y ait quatre personnes qui se réunissent autour d'un bureau et qui décident du sort du monde. Mais ça va dans le même sens, en fait. Voilà. Il y a avec le méchant qui, à la fin, fait... Voilà, c'est ça. C'est pas comme dans Inspector Gadget. Ouais, Docteur Gang. Voilà. Je précise quand même, Tristan, que je ne brûle pas de femmes, hein, parce qu'il y a des gens qui me prennent au premier degré très régulièrement sur cette chaîne. Ok. Non, pas, en tout cas, pas souvent. Pas à ma connaissance. Enfin, pas quand je suis à jeun. Voilà. Mais vu que je ne bois pas. Et du coup, là-bas, ça dure un peu. Je pense que les gens commencent. Ouais, là, en fait, tout le monde est parti. Je crois qu'il y a eu des suicides en nombre. Okay. Il y a plus de morts que les gens qui ont eu le Covid-39-45. Tu voulais aussi échanger avec nous, le Chamec, sur ce que tu vis actuellement par rapport au pass sanitaire. Et ça fera un lien avec Orwell 1984. Donc, juste, ça sera plus vivant. Donc, lisez Orwell, 1984 ou La ferme des animaux, et puis lisez, moi, il y a deux bouquins à lire en ce moment, c'est Orwell 84 et puis Anna Arendt, La banalité du mal. Voilà, lisez juste ça. Je reviendrai pas sur Anna Arendt, parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans un de tes lives, même s'il doit plus être sur... Enfin, peu importe. Mais auto-censuré. Voilà. Anna Arendt sur la banalité du mal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand c'est les consignes, en gros. Voilà, ça m'est arrivé moi à titre personnel quand on est redéconfiné là au mois de juin ou je sais plus dans quoi on était. Donc moi mon boulot, je travaille dans le social et j'accompagne des gens sur des sorties culturelles. En gros, voilà, je fais cours. Sorties cinéma, théâtre, resto, etc. D'ailleurs, bon. Du coup, une fois que j'ai dit ça, les auditeurs auront compris que moi, je me fais doublement avoir, c'est-à-dire que je suis travailleur social, on m'a mis avec les soignants, donc j'ai la vaccination obligatoire. Alors que tu sais pas soigner les gens, hein, quand ta fille elle est malade, t'appelles les secours, quoi. Voilà, je suis compris dans les soignants, et en plus, mon boulot, c'est de sortir les gens. Donc je fais forcément dans les lieux où désormais le pass sanitaire est de rigueur. Donc moi, j'ai double lame. Et quand je suis fait cette première sortie, on allait voir un concert d'un orchestre classique. Et ben, arrivé à l'entrée, j'ai demandé à l'ouvreuse, je lui ai dit, je suis pas vacciné. Et ça l'a fait rigoler, cette jeune fille derrière son masque. Et je lui ai dit, mais dans 3 mois, quand je serai toujours pas vacciné, vous me laisserez rentrer dans la salle de concert. À l'époque, on parlait pas de passe sanitaire et tout ça. Et elle m'a dit, c'est les consignes. Voilà. Et cette phrase, en fait, elle est hyper importante, c'est-à-dire que on soumet, c'est les consignes, et donc Anna Arendt, La banalité du mal, c'est, pour faire court, une journaliste juive qui a couvert le procès de Eichmann, qui était un dignitaire nazi, qui était un fonctionnaire nazi, et qui s'occupait des trains. Voilà. Et en fait, la défense d'Eichmann, il semblerait qu'elle soit... C'était les ordres. C'est les ordres, en fait. Moi, je m'en fiche qu'il y a dans les trains. Je sais pas où ils vont, quel est le terminus, tout le monde descend. Je sais pas. Voilà, moi, on m'a demandé d'organiser des trains de tel endroit à tel endroit, les organise. C'est un militaire. Voilà. On est d'accord. C'était quoi? C'était un militaire. Non, pas un militaire, un fonctionnaire. Ok. Après, voilà. C'est quand même ce qu'on veut faire des gens dans notre société en général. C'est ce qu'on demande aux militaires. Le militaire, tu lui dis, écoute. C'est un ordre et on leur apprend à ne pas discuter les ordres. Exact. D'ailleurs, il y a une interview, je crois que c'est dans, je sais pas si c'est Gérard Info ou Juste Milieu,
qu'interviewait le il y a un ancien militaire là qui est un peu médiatiquement un peu plus mis en avant là sur les manifs, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et qui disait ça viendra peut-être pas des militaires parce que dans une caserne c'est difficile. Ouais, de la police peut-être. Voilà. La police peut-être, mais les militaires peuvent être compliqués. Voilà. Mais t'as raison, ouais, y a quelque chose de ça. Mais le fonctionnaire d'État, on lui dit qu'il faut faire ça. Voilà. Et en fait, moi, c'est un exemple que je donne très souvent aux étudiants qui souhaitent devenir travailleur social. C'est attention aux consignes, parce que aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire ça. Si demain, on vous dit, moi, je donne souvent cet exemple-là, et pour un peu provoquer. Mais si on vous dit tiens dans l'internat là avec les gamins tous les vendredis soirs ben on les viole à 23h, ben, vous allez faire quoi? Alors c'est quand même exagéré. Oui bien sûr que c'est exagéré, mais bien qu'il y ait quand même Georges Tron, t'as raison dans ces exemples là Tout... Non mais ce que je veux dire c'est à quel moment tu dis non. Oui, oui. Et c'est ça qui se joue avec le pass sanitaire, pour en revenir à ça. C'est à quel moment quelqu'un te dit non. Alors moi, j'ai vécu l'avant pass sanitaire samedi dernier, et je discutais avec un restaurateur qui m'a dit moi, je mets le cordon autour de ma terrasse, je vais embaucher quelqu'un à 40% pour faire l'entrée, mais tout le monde rentrera. Et s'il faut, alors il disait, je vais photocopier 500 copies de mon pass sanitaire et tout, et les gens qui n'en ont pas utiliseront le mien pour rentrer. Donc voilà, il y a des gens comme ça. J'entends autour de moi que il y a certains restaurateurs qui s'en fichent. Donc moi, je voilà. Et en même temps, il y en a qui ont refusé du monde. Pour le petit épisode sur le pass sanitaire déjà. Donc là, moi, j'ai fait mes sorties cette semaine. J'ai emmené des personnes que j'accompagne au resto, notamment au restaurant. Il y a des restaurants où ils disent oui vous avez le pass, bon ben, c'est bon, ils viennent pas scanner, etc. Parfois il y en a qui veulent qu'on leur montre le papier. Je suis allé à une pièce de théâtre dans un château médiéval. Comme on arrivait très tôt avec le véhicule et les gens que j'accompagnais, je les ai montés tout en haut du château parce que elles sont en mobilité réduite. On nous a même pas demandé les passes, quoi. Ouais, mais c'est normal, ils sont déjà handicapés, faut pas exagérer. Non, mais voilà. Vous les avez, oui, voilà, vous les avez. Donc, il y a quand même une forme de tolérance. Donc, on peut imaginer que si eux ne scannent pas, tout le monde a le droit de pas scanner. Voilà. Et puis, je suis allé sur des petites terrasses, boire un coup, notamment un bar où je connaissais la tenancière, je donne pas les villes, je donne pas les, mais voilà, qui était plutôt, tu vas me dire que je rebalance sur la gauche, mais voilà. Plutôt gauchiste, révolutionnaire, machin. Elle te scanne et de manière très agressive. Donc c'est une fausse. Il y en a, je pense que ça leur plaît aussi. Faut penser à ça. Il y en a, ce système-là leur plaît. C'est ce que là j'écoutais avant qu'on. Ça plaît aux vaccinés, injectés. Les injectés, ils disent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en hors antenne. C'est le nivellement par le bas, quoi. C'est si eux faut les punir et puis nous faut pas nous punir parce que nous on a bien écouté. Hein. Ouais, voilà c'est ça. Et puis en plus je pense que quand t'as pris la, alors peut-être ça sera mon cas hein. À un moment donné, je vais peut-être craquer, j'y crois de moins en moins parce que peut-être l'orgueil justement et puis voilà. Mais peut-être que je serai injecté dans quelques temps, j'en sais rien. Je sais pas comment vont se passer les choses, mais je pense qu'une fois que t'es injecté, tu te dis c'est bon, tout le monde hein. Maintenant que j'ai pris cette merde, en gros, parce que personne n'est vraiment très au clair là-dessus, soit par méconnaissance, personne ne sait ce qu'il y a dedans, ça c'est clair, personne ne le sait, et puis c'est pas, on n'a pas le droit de dire le mot, mais c'est pas une injection au titre, hein, on est bien d'accord, c'est pas une injection conventionnelle comme on faisait pour la polio ou autre. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est complètement nouveau, qu'on le veuille ou non, et hormis le nombre de personnes très importantes qui a été injectées, le recul n'est toujours pas très important. Non, c'est clair. Quoi qu'on en dise. Donc en fait, quand t'as mis ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris. On sait qu'il y a là avec l'annonce du 12 juillet, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pour parce qu'ils ont eu peur. Il y en a d'autres, ils le font pour aller au resto en vacances, etc. Là, il y en a plein pour le resto, pour les vacances, pour avec les potes et tout ça. Il y en a beaucoup. Ouais, voilà. Les motivations sont rarement. Je le fais parce que je pense que ce produit est très bon
et que ça va faire du bien à ma santé. C'est assez rarement ça. À part si c'est des médecins qui y croient, si tu veux. Mais oui, monsieur, oui, madame. Voilà. Mais monsieur, madame, tout le monde, oui, c'est pas du tout le cas. Et puis pourquoi pas, encore une fois, si les gens pensent ça, pourquoi pas. Mais c'est leur choix. Mais du coup, comme c'est pas souvent ça, de moi ce que je vis, les gens me disent pas je me fais injecter parce que je pense que c'est un bon produit. Donc du coup, une fois qu'ils l'ont fait, ils se disent c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai rien. J'ai pas d'effet secondaire. Pourquoi Jean-Michel m'emmerde, quoi? Voilà. Et du coup, moi, si je prends le risque, toi aussi, prends le risque. Voilà, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, j'avais un collègue comme ça qui voulait absolument que je mange de la viande. Oui, on les connaît, ceux-là. Ouais, on les connaît. Le chat maigre, c'est un peu comme... C'est bon, manger un morceau de saucisse. En fait, j'ai compris. Je me dis, pourquoi il est agressif comme ça? Parce qu'en plus, je venais pas... Moi, j'ai jamais fait de prosélytisme végétarien ou je sais pas quoi. Je m'en cogne complètement. Mais je comprenais pas pourquoi il m'agressait comme ça. Il y avait un côté pathologique. Et en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu, en discutant un peu autour, c'est que ce gars-là arrive à la retraite, quand je le connaissais, il devait avoir 55-60 ans, il a toujours mangé de la viande toute sa vie. Il se dit, mais pourquoi ce gars-là, qui est pas complètement idiot, Tristan, le chat maigre, tu t'appelles chat maigre, comment ça se fait qu'il ne veut pas en manger? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu l'as fait bugger. Il voudrait que je mange une entrecôte devant lui pour dire c'est bon, toi. Ouais, pour devenir normal, quoi. Voilà. Mais et puis ça te renvoie à toi-même, c'est-à-dire est-ce que je fais pas une erreur? Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas manger de la viande, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il se pose la question. Il dit, moi, j'en bouffe depuis 50 ans tous les jours. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ma santé? Ouais. Ou alors c'est au-delà de ça, en fait, chat maigre. C'est que les gens ils veulent absolument la différence, les gêne. Tu sais, moi, je vais prendre un exemple tout bête. C'est que moi, je bois pas d'alcool. Et à chaque fois que je suis allé à des soirées avec des gens qui buvaient, il fallait absolument que je boive. Bon, je buvais pas, hein, mais il fallait pour eux. Et sinon, et dès que, bon, moi, je le faisais pas, mais j'ai un pote, il a dit, j'arrête l'alcool. On lui a dit, non, mais vas-y, bois un coup. Il a dit, non, j'ai arrêté. Allez, c'est pour mon anniversaire. D'accord. Donc lui, il avait craqué, mais moi, et puis après, c'est la chanson, il est des nôtres. Parce qu'en fait, il faut pas être différent. Il faut faire comme la masse. Et là, les gens sont en train de se soumettre et ils veulent pas être les seuls à se soumettre. Je donne cet exemple parce que tout le temps, c'est vraiment, j'exagère pas, c'est quasiment chaque soirée que j'ai faite, il y avait au moins une personne qui venait me voir, qui disait, allez, bon, un coup quand même, c'est exceptionnel. Et tout le monde voulait que je boive. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que ça va changer à sa vie que je boive? Mais juste, il va être content de voir qu'il n'est pas le seul à boire. Enfin, qu'il n'y a pas juste, pour le coup, c'était pas le seul, c'était moi qui étais le seul. Mais ça le gênait qu'il y ait une personne qui ne boive pas. Donc, t'imagines, là, pour l'injection, il y a plus qu'une seule personne qui ne se fait pas injecter. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tout est fait. Donc, moi, je me suis retrouvé, par exemple, sur une terrasse là aujourd'hui. Donc, je me retrouve du côté. C'est bizarre parce que si on a le pass sanitaire, c'est pas forcément qu'on est injecté, d'ailleurs. Mais il y a quand même un truc. T'es sur une terrasse avec un cordon. Il y a des gens qui passent autour de la terrasse et t'as l'impression que c'est deux mondes différents, quoi. Et je pense que ça, par contre, sociologiquement, c'est bien pensé parce que ça crée vraiment un. Ça crée vraiment un mur, quoi. Quand ils ont pas mis des grillages, hein, parce qu'il y a certaines villes où ils ont carrément mis des grillages. J'ai l'impression d'être en cage, quoi. Ouais, ça ressemble vraiment à des zones, voilà. Alors c'est complètement débile, hein, parce que t'es sur une terrasse en plein air, etc. Mais ça, voilà, ça ressemble à des zones délimitées. Alors sur des événements précis, c'est ça que tu voulais. Donc je parlais de l'avant-passe sanitaire la semaine dernière. J'ai fait une sortie la semaine dernière dans un musée. Je crois que je vais le citer, en fait, parce que ils m'ont bien remonté. C'est le musée Courbet à Ornans. Mais tu ne t'es pas courbé. Non. Ben non. Et donc jeudi de la semaine dernière, j'y suis allé accompagné des personnes. Et donc je n'avais pas de passe. Et ils m'ont demandé un passe sanitaire. Mais je leur ai dit, mais en fait, c'est pas la loi, puisque il est même pas encore. C'était le jour où le Conseil constitutionnel devait trancher. Donc il l'avait pas encore tranché. Donc je dis, comment ça se fait que la loi est pas passée? Ouais, non, en fait, depuis le 21 juillet. Ouais, mais pourquoi, en fait, si la loi est pas passée sur le pass sanitaire, vous pouvez le 5 juillet demander un pass sanitaire alors que c'est à partir du 9 juillet? C'est quand même bizarre. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, bon, je leur ai dit quand même que ça sentait un peu les années 30 en Allemagne, mais ils ont pas aimé. Mais du coup, autre chose de significatif, c'est qu'ils demandaient les pièces d'identité.
Ouais, il se prenait pour des policiers, quoi. Interdit, voilà. Ouais, interdit. C'était un agent de sécurité, il n'a pas demandé la pièce d'identité. Et donc, pour la petite histoire, j'y suis retourné avec un autre groupe aujourd'hui. Donc moi, c'est aussi le message que je peux passer, c'est moi, j'avais un pass sanitaire et je vais vous expliquer aussi peut-être comment j'ai eu mon pass sanitaire. Bien préciser quand même ce que tu dis tout à l'heure, c'est par rapport à la police. C'est quelque chose, vous le trouvez dans le texte, ça, s'il y a bien un truc qui a été retoqué qui est pas mal pour notre défense, c'est que ils peuvent tous vous demander un pass sanitaire. Par contre, ils n'ont absolument pas le droit de vous demander une pièce d'identité quelle qu'elle soit, un permis de conduire, carte vitale. J'ai vu des gens qui mettaient, il y a des cafés, ils demandaient carrément les bulletins de salaire, etc. Il n'y a que la police qui peut vous demander, et la police, elle ne vous demandera pas des bulletins de salaire si jamais vous êtes contrôlé, elle vous demandera les pièces d'identité. Mais tous les autres, quels qu'ils soient, musée, concert, même si c'est des vigiles avec un brassard rouge ou un brassard vert, on s'en fiche, ils n'ont pas à vous demander la pièce d'identité. Vous pouvez vous... Si la seule, voilà, les seules habilités, c'est la police. Point. Donc, vous pouvez vous défendre comme ça. C'est hyper important. Après, c'est vrai qu'on voit des gens qui, pour rentrer sur une terrasse, je l'ai vu aujourd'hui, présentent déjà leur carte d'identité, quoi. Ouais, parce qu'ils ont peur, quoi. On est en règle. Ouais. Et ils le font déjà avant, quoi. Moi, je suis rentré dans une librairie ce matin et c'est ce qui a fait d'ailleurs que je lui ai pas acheté. Je cherchais justement Orwell, un autre Orwell, et je l'ai pas trouvé. Mais de toute façon, j'aurais rien acheté parce que à peine je suis rentré dans la librairie, la nana elle me dit huile, enfin pas huile, truc gel hydroalcoolique. Et moi, je lui ai dit c'est obligatoire. Elle m'a dit oui. Alors, j'en ai mis, mais je me suis dit, et c'est marqué obligatoire quelque part, peut-être je me trompe, hein, mais est-ce qu'il y a une loi quelque part qui dit que quand tu rentres dans une librairie, tu dois mettre du gel hydroalcoolique obligatoirement, ou c'est proposé? Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, tous les endroits où je rentre, voilà, et d'ailleurs, ma fille a cette technique. Ça, c'est les zélés, ça. C'est ceux qui aiment bien faire du zèle. Tu fais semblant d'appuyer sur le bouton pour te mettre de l'huile hydroalcoolique, c'est hyper intéressant. Moi, je la bois, moi. Donc voilà. Mais donc oui, les gens baissent de toute façon la tête. Et donc oui, pour la petite histoire, Ornans, donc on y est retourné aujourd'hui. J'y suis retourné, j'ai accompagné un autre groupe. Et donc moi, j'y suis pas allé. J'avais le pass sanitaire, mais j'ai pas voulu. Il y a une belle expo en ce moment, Picasso et Courbet. J'aurais bien voulu voir, mais il faut avoir, je pense, un. T'as boycotté. Ça commence par là, c'est-à-dire là j'aurais pu dire, c'est bon, j'ai mon pass, je peux rentrer maintenant. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On vous refuse un jeudi, puis on vous accepte un autre jeudi parce qu'il y a un bout de papier. C'est quand même vraiment lamentable. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ce pass que tu as? Tu ne t'es pas fait injecter, non. Mais tu as goûté à la douce expérience du test. Alors, c'est hyper intéressant, ça. Alors, ça, je peux vous raconter, oui. Alors, du coup, j'ai un pass sanitaire qui s'arrête demain, d'ailleurs, à 15h30, puisque je me suis fait, au final, je suis allé dans une pharmacie faire un test antigénique. Donc voilà. Alors, pour le coup, je vais témoigner jusqu'au bout. J'en avais très peur, depuis le début du confinement, j'en avais jamais fait. Et je suis un flippé de, je rentre pas dans les pharmacies. T'aimes pas te faire pénétrer, quoi, en quelque sorte. Et puis, ouais, il y a quelque chose d'intrusif. Voilà, c'est, bon, on en avait parlé ce week-end. Voilà, j'avoue que lundi matin, j'ai cherché des solutions parce que oui, alors, je pensais aller dans un labo pour faire un test PCR. Sauf qu'en fait, j'ai appris dans ce week-end, par une amie qui travaille dans un labo que, ça allait prendre plus de temps. En gros, ça prend presque 24 heures. Donc, en fait, moi, j'en avais besoin pour le lundi soir. Donc, ça allait pas. Ensuite, il y a eu le décret. Alors, ça, voilà, je vais peut-être commencer par ça. Il y a eu le décret de notre ami Véran le 8 août qui dit que finalement, tu peux faire... C'était 72 heures, ouais, finalement. 72. Donc, il y a cette histoire de 72 au lieu de 48. Heures. Au lieu de 48. Et la deuxième chose, c'est... que tu peux faire un autotest sous surveillance d'un professionnel de santé. Supervisé. Supervisé par un professionnel de santé. Mais je crois que c'est marqué sous surveillance sur le décor. Ouais, mais c'est à mourir de rire, ça. Donc, OK. Donc moi, dimanche soir, je me couche assez serein en me disant, demain, je vais dans une pharmacie, je fais mon... Alors, parce que du coup, l'autotest, tu te rentres 2-3 cm dans le nez. Puis tu tournes 5 fois, 5 tours. Voilà, 5 tours. Et du coup,
Je me suis dit bon, j'aurais pas ce truc au fond du pif. Donc je commence lundi matin à appeler les pharmacies autour de chez moi. Il y en avait au nombre de 5, je crois. Toutes me disent non, on fait pas. Alors par différentes raisons, il y en a qui m'expliquent, des plus ou moins gentils, hein. Il y en a qui m'envoient un peu chier, et puis d'autres qui me disent. Oui, mais en fait le décret il est d'hier, on n'a pas encore eu le temps de regarder son application, donc on va regarder ça. Je pense que d'ici 2-3 jours, on va le mettre en place, tout ça. D'autres qui me disent, oh, mais de toute façon les autotests on n'en a pas, on n'a pas de stock. Voilà. Et puis ça sert à rien d'appeler les autres pharmacies de la ville, ils ont pas de stock, ce qui était faux puisque il y en avait. Il y a des gens, ils veulent pas. Et puis il y en a une qui m'a terminé en disant, oui, il y a le, parce que du coup moi je leur posais des questions, peut-être que les faisais chier. C'est moins cher l'autotest, non? Comment? C'est moins cher l'autotest. Je sais pas pour l'instant, de toute façon. Parce que oui, non mais l'autotest il est pas remboursé, c'est le test antigénique qui est remboursé pour l'instant. Et du coup, il y en a une qui m'a dit j'ai dit c'est quoi la différence entre test antigénique et puis test PCR, je comprenais pas. En fait, et d'ailleurs c'est ce que Divisio dit aujourd'hui là dans sa vidéo, c'est qu'en fait on se trompe entre on peut se tromper entre la façon de te prendre ton bout de matière à toi et la façon de le tester. Parce qu'en fait, dans la loi, il y a marqué test PCR. Mais en fait, PCR, ça peut être un salivaire, PCR. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, les labos, il y en a plein qui veulent pas le faire. Mais en fait, alors, moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est, on veut pas. C'est-à-dire que les pharmaciens, il y a un décret qui tombe, mais non. Donc après, moi, j'ai appelé, je mens pas, hein. J'en ai appelé donc 5 autour de chez moi, dans la petite ville qui est pas loin de chez moi, et ensuite j'en ai appelé une dizaine dans une plus grande ville, qui est un peu la capitale de la région. Et du coup, où t'as manifesté ? La dizaine m'a dit non. C'est-à-dire que je suis arrivé à 15 non au bout de la matinée. Quoi. Enfin, au bout de la matinée, ça allait assez vite, mais j'ai passé quand même 3/4 d'heure, 1 heure sur cette histoire à appeler. Alors, il y en a plus ou moins gentils, encore une fois, qui disent, bon, on va essayer, normalement, on va s'y mettre. Il y en a qui m'ont dit, moi, je le fais plus. Je fais que des vaccinations. et donc, il y a une pharmacienne qui a terminé comme ça. Quand je lui ai demandé la différence entre le test PCR et le test antigénique, elle m'a dit, mais il y a la vaccination. Et alors, je lui ai dit, oui, je suis au courant qu'il y a la vaccination. Je lui ai dit, mais vous savez, j'ai besoin d'un pass sanitaire pour aller bosser. Ouais, mais t'as oublié que les pharmacies, c'était des, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours des commerçants, hein. Ouais, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que, on voit bien que certains, on les embête, quoi, à poser des questions. C'est bon, fais-toi vacciner, puis arrête de faire chier le monde, quoi. Mais en plus, même, fais-toi vacciner. J'ai envie de dire, au pire. Fais-toi injecter. Ouais, pardon, injecter. Imaginons que, ok, je dis, ok, allez, je viens cet après-midi, injecte-moi. Mais ça réglerait pas mon problème. C'est-à-dire que j'aurais pas de passe sanitaire pour autant. Mm. Donc, en fait, ça règle pas mon problème du jour. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Je pense que moi, ça m'a fait réfléchir. C'est que, on dit souvent, et c'est ce que disent les juristes, ne vous précipitez pas. Pour la vaccination obligatoire, c'est jusqu'au 15 septembre. Et si on se fait sa première injection le 14 septembre, on continuera à travailler. J'ai des collègues de travail avec qui j'échange, là, qui sont en vacances. Je leur dis, la seule chose que je peux vous dire, c'est ne vous précipitez pas. Parce que j'ai un collègue qui me dit, oui, mais il faut que je me vaccine au 15 août pour que ça y ait le mois et la deuxième injection. Tout non, ça, non. 15 septembre. C'est non, noté, c'est bon, c'est noir sur blanc. 15 septembre. Une première injection au 15 septembre suffit pour aller bosser. Donc, ça sert à rien de se presser. Ça se trouve, il y aura des ruptures de stock et ils diront, moi, je dirais, je voudrais me faire injecter. Et voilà. Donc. Et puis après, ils peuvent très bien être rebelles jusqu'au bout pour voir ce qui va se passer. Parce que toi, t'es pas un soignant. Mais moi, j'aimerais bien voir si tous les gens que je vois manifester, là, notamment, j'ai filmé Besançon, j'ai vu qu'il y avait d'autres hôpitaux qui étaient dans le même cas. Si tous ces gens qui refusent l'injection au 15 septembre, ils ne se sont toujours pas fait injecter, ça me ferait énormément rigoler, mais rire jaune, hein, parce que moi j'aime bien, je suis cynique, ils vont les suspendre. Ils vont suspendre des médecins, ils vont suspendre des infirmiers en période de pandémie. Eux. J'y crois pas un seul instant. Moi j'y crois parce que c'est tellement absurde jusqu'au bout que voilà. Mais, ou alors, tu sais quoi, ils leur diront, vous pouvez travailler mais sans être payé. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je connais plein de gens qui se sont fait, enfin plein de gens. J'ai eu des retours là ces derniers temps avec des gens qui se sont fait injecter, mais en fait ils n'ont pas leur passe sanitaire.
Et donc, du coup, ça mérite de s'arrêter et de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de un peu miraculeux en disant, allez, tu te fais injecter et à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Non, mais en fait, tu galères encore pendant un mois. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont fait injecter trop tard. Donc, de toute façon, pendant les vacances, il va falloir qu'ils fassent le test tous les 3 jours. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça règle pas le problème. Bah, c'est ça pourrait presque me... Tu vois ce que je veux dire quand, faut comprendre quand même, faut dire les choses. T'as raison, faut rigoler et tout ça. Mais depuis le 12 juillet, moi, ma vie, elle est plus la même. Je suis pas un rebelle. Oui, et puis t'es quand même anxieux, quoi. Voilà, voilà. Au final. Il y a quand même, et on entend plein de choses. On entend des gens qui parlent de suicide, des gens qui sont anxieux, des gens en pleurs, etc. Parce qu'en fait. Et c'est réel, hein, contrairement à ce que dit Véran, c'est réel parce que quand tu veux pas le faire et que t'as des convictions et que t'entends quelqu'un qui te dit, oh, t'arrêtes de faire l'enfant gâté, tu vas le faire et puis c'est tout. C'est sûr que toi, au quotidien, quand tu te lèves le matin, bah, t'y penses, quoi. Ben, on y pense. Moi, je comprends tout à fait les gens. Moi, je témoigne à titre personnel, mais je dors très mal. Voilà. Mais ce qui me sauve, c'est évidemment de voir du monde. Et moi, je peux que donner ce conseil aux gens. Continuer à être en interaction. Ben, rien que le fait d'aller en manif. Alors que je suis pas un manifestant dans l'âme, mais voir du monde, voir les gens que vous connaissez pour de vrai, et puis aller vous promener dans la nature, et puis voilà, ça vous sauvera. Et puis réfléchir de manière pragmatique, ne pas s'affoler, voir les choses comment elles avancent, et du coup, c'est ça qui nous permet de tenir. Mais en fait, il a créé depuis le 12 juillet une anxiété. Et comme tu dis, oui, voilà, cette histoire de les enfants gâtés, il y a quelque chose qui est très important. C'est très important, c'est que la pensée unique, elle met à mal la gravité des choses. L'exemple classique, c'est penser à l'image que vous avez d'un enfant qui tient un ballon à l'hélium et qui le fil lui échappe des mains. Vous avez tous peut-être vu ou imaginé ou vu au cinéma cette scène. Et en fait, vous avez un enfant, voilà, le ballon, il le lâche et il s'envole dans le ciel. Et puis l'enfant, bah, il se met à pleurer. Et la première chose que lui disent les parents, c'est ferme ta gueule, tu me fais chier. Non, c'est pas ça. Ça, oui, ça c'est toi. Non, mais c'est pas grave. C'est qu'un ballon, c'est pas grave, pleure pas. Bah si, c'est hyper grave à ce moment-là. Pour l'enfant, c'est hyper grave. Ça sert à rien de lui dire c'est pas grave. Et moi, quand j'explique ça aux étudiants qui se vouent à devenir travailleurs sociaux, je leur dis maintenant, je vais prendre tous vos smartphones et je vais les jeter par la fenêtre de la salle de classe. Ouais, c'est pas un ballon en hélium, hein. Et je vais vous dire, c'est pas grave. C'est qu'un bout de plastique, c'est quoi? C'est rien. Voilà. En fait, la gravité des choses, elle est toujours relative. Donc, quand Véran, il dit, ouais, c'est bon, machin, il se rend pas compte, enfin, il se rend compte certainement. Oui, il le sait. Il a un côté machiavélique aussi. Mais, c'est vraiment brutal, quoi. Et moi, j'ai été vraiment brutalisé et par Macron et par Véran, enfin surtout par Macron le 12 juillet. Et ben voilà, il faut tenir là-dessus. Et tenir, c'est voir des gens, être en contact avec la nature et puis être pragmatique. C'est-à-dire chaque jour, se dire, OK, aujourd'hui, je fais ça. Donc, mon côté pragmatique, ça a été que ben, lundi, j'étais au pied du mur et qu'il a fallu que je fasse un test. Ouais, il fallait que tu trouves une alternative vers le moins pire pour pouvoir exercer ton métier, quoi. Pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Mon alternative, c'était aussi, ou alors de me mettre en arrêt maladie, de demander, d'aller voir un médecin, de lui dire commence à devenir le cas, parce que à force de... Ouais, que t'es pas bien, que t'es anxieux, que t'es en dépression, etc. T'as envie de te foutre en l'air. Voilà, donc j'en suis pas à vouloir me foutre en l'air, mais je pense que je peux aller voir un médecin et que... voilà, lui dire que c'est difficile même d'accompagner. Il va te dire, ouais, d'accord, je te reçois, mais attends, je t'injecte. Voilà, c'est ça. Il y en a eu, en plus. Donc voilà, il faut réfléchir aux solutions. Et il y a des solutions qui disparaissent, parce que, en face, on a des gens qui jouent aussi, hein. Et puis, il y a des solutions qui arrivent. Voilà, par exemple, le décret avec les 72 heures, l'autotest assisté, surveillé par un professionnel de santé, etc. Donc, moi, je vais essayer ça la semaine prochaine. Donc, voilà, pour mon expérience de lundi, c'est que j'ai trouvé zéro pharmacie. Alors, parfois, des pharmaciens qui disent, on lit le décret aujourd'hui, d'ici un ou deux jours, on le met en place. Mais beaucoup de pharmaciens qui disent, moi, je fais pas. Voilà. Et donc, comme je suis allé faire mon test antigénique, donc, dans une pharmacie pas loin de chez moi,
En l'occurrence, un pharmacien très sympa. Bon, il était costaud, alors je me dis il allait me défoncer le nez. En réalité, moi pour moi, mais on n'est pas tous égaux, encore une fois, j'en avais très peur et j'ai absolument pas eu mal. Et c'était absolument pas désagréable, en fait. Voilà. T'as aimé ça, petit cochon. Alors après, bizarrement, j'avais mal à la tête et son produit m'a coulé dans la gorge. Donc je pense qu'il y a un vieux produit pourri et comme j'ai pas trop de chimique dans mon corps, ça m'a un peu fait mal au crâne. Mais j'avoue que voilà, c'était pas. Je l'ai remercié d'ailleurs. Voilà. Mais lui, alors lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais vous allez faire les autotests assistés par un? Il m'a dit non, je ferai pas. Alors je dis mais bon, il était costaud donc je vais pas lui prendre la tête. Mais je lui dis mais c'est pas pour vous attaquer, mais c'est pas un droit opposable en fait. Est-ce que vous êtes pas obligé de le faire puisque c'est le décret? Il me fait non, moi je le fais pas. Alors sa raison était entendable dans le sens où il disait ben l'autotest c'est 50% de fiabilité. Donc je vais pas me prendre la tête à faire des tests à 50% de fiabilité. C'est pas sérieux quoi dans une épidémie. Donc pourquoi pas, ça s'entend. Mais sauf que c'est la loi. Donc, est-ce que t'appliques pas la loi? Est-ce que quelqu'un qui te demande de faire un autotest, eh ben tu lui dis non, parce que t'as pas envie. Hein. Et oui. Ce que j'ai beaucoup entendu de la part des pharmaciens, c'est oh non, on fera pas, ou ça m'intéresse pas quoi, cop cheval, voilà. C'est hallucinant. Quoi. Tu peux mettre en parallèle avec les restaurants, les bars et les autres complexes qui refusent le pass sanitaire. Là, pour le coup, pareil, ils respectent pas la loi. Et les injectés crient au scandale. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais c'est bizarre, en fait. Bon, alors en même temps, c'est comme tu dis, peut-être c'est rassurant aussi, parce que du coup, ça veut dire que la loi, elle n'est pas forcément appliquée. Et sur ce pass sanitaire, moi, je suis pas trop... Je suis plutôt de ceux qui pensent que ça tiendra pas, parce qu'en fait, voilà. Mais peut-être que ça tiendra, puis dans 10 ans, on sera sur un pass sanitaire. De toute façon, il faut arrêter, comme dirait l'autre, celui qui avait fait des prévisions en se plantant, puis qu'après, qu'il a dit qu'il aimait pas les prévisions. Je parle du druide. Ouais. Didier, il a dit, faut pas faire de prévisions. Et ça, il a raison. Faut pas faire de prévisions. Il faut avoir des convictions, bien sûr. Mais après, savoir ce qui se passe dans l'avenir, parfois, on se plante. En tout cas, pour essayer de faire reculer ce pass sanitaire, ben, utilisons nos armes, hein. Les manifestations, ça a déjà fait reculer plein de projets. On l'a oublié ces derniers temps parce que ces petits malins, ils venaient tout le temps voter des lois en juillet. Les autres années, c'est passé, y compris la loi de sécurité globale, qui est passée vite fait, bien fait, avec quasiment aucune opposition. Et depuis les gilets jaunes, c'est vrai que les manifs c'était plutôt calme. Donc il faut voir que dans certains pays, les manifestations ont fait reculer ce pass sanitaire. Donc on peut y croire. Ça se trouve, ils vont se rendre compte, parce que là il y a des études quand même qui paraissent, il y a des paroles libérées sur finalement la stratégie injectionnelle, où ils se rendent compte que l'immunité est une utopie. Et en Angleterre, ils sont en train de se dire, et a priori en Islande, mais de sûr en Angleterre, je l'ai lu tout à l'heure, que il faut laisser finalement passer le virus, et que vouloir injecter la population au total, ça ne permettra pas d'éradiquer le virus. Mais ça, j'ai envie de dire, même quand tu fais pas médecine, tu t'en doutes un peu. Non, mais en fait, et ils sont en train de se dire qu'au final, la stratégie, ce serait de laisser passer le virus. Et c'est-à-dire que peut-être que la France, le 15 novembre, elle va se dire, bon, on a suffisamment d'injectés, on arrête l'obligation, ou en tout cas, on arrête le pass sanitaire. Et puis, on aura normalement, à partir d'octobre, 5 médicaments sur le marché en Europe. Alors, je sais pas si ce sera déjà en France en premier, mais en Europe, il y a 5 médicaments qui vont arriver sur le marché, des médicaments, hein, pas des injections. Et peut-être que là, ils vont se détendre du slip, quoi. Mais en attendant tout ça, on peut essayer de se battre avec nos armes. On n'est pas obligé de sauter tout de suite. Hein. Voilà, faut se méfier des effets d'annonce. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et t'as raison, faut pas être trop dans la prévision. Anticiper un petit peu, parce que voilà, moi si je suis suspendu au 15 septembre, j'ai plus d'argent qui tombe, alors qu'est-ce que je fais? L'arrêt maladie, c'est pas mal aussi, juste l'arrêt maladie, si c'est accepté, ou voilà. Plus, faut, t'inquiète, faut réfléchir, mais, tu viens, je te casserai la gueule, ça ira très bien. D'accord, mais comment dire,
il faut anticiper, mais il faut pas trop se projeter parce que, en fait, c'est ça qui fait peur, quoi. Vous prendre au jour le jour. Aujourd'hui, ben voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Lundi, ben là, il faut que je fasse un test. Alors, en plus, après, il y a tout, voilà, dont, moi, j'ai eu un mail dans mon boulot qui me dit, ah, ben, dans une semaine, enfin, dans une semaine type, en gros, il faut que je fasse, un test le lundi matin, qui tiendra lundi, mardi, mercredi, et un test le jeudi matin pour terminer la semaine. Moi, par exemple, cette semaine, je travaillais de lundi fin d'après-midi et je termine demain dans l'après-midi. Donc, je ferai qu'un test cette semaine, mais ça plaira pas à mon employeur, je pense. Mais comme ils sont tous en vacances, voilà. Mais du coup, ça rentre. Voilà. Donc, il faut trouver des solutions pragmatiques comme ça. Et même s'ils te mettent la pression. Et voilà, il y a la pression, il y a la propagande. Moi, j'étais sur l'autoroute hier, je crois. Et ben, sur l'autoroute, il y a les panneaux d'affichage au lieu de marquer. Ouais, la ceinture, c'est vaccinez-vous. Voilà, et puis c'est marqué. Il y avait ça. Ça vous protège. Ce message de propagande, parce que là, ça ressemble quand même vraiment. Du coup, t'as enlevé la ceinture et tu t'es injecté. Voilà, c'est ça. Ça ressemble vraiment à de la propagande parce que c'est des panneaux comme ça, comme ça pouvait être en Russie ou en Allemagne. C'est marqué tous vaccinés, tous protégés. Voilà ce qui est écrit. Tous vaccinés, tous protégés. Et dans la ferme des animaux de Orwell où les animaux virent les humains, je crois que le slogan c'est quatre pattes oui, deux pattes non. En gros, tout ce qui est sur deux pattes, c'est-à-dire les humains, on les accepte pas. Et c'est des slogans comme ça qui viennent tous vaccinés, tous protégés, ce qui est complètement faux. T'es vacciné, mais tu peux être contagieux. T'es vacciné, mais tu peux faire. Ah, mais ils ont, tu sais, en fait, ils ont pas assez de caractère. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pas mis de nuance. Hein. Ou alors ils ont pas mis de nuance parce que ils veulent un message clair qui ne l'est pas pour t'inciter à le faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, pour moi, voilà, l'expérience de lundi, c'est, en fait, il y a un décret qui tombe. Tu te dis, bah, c'est bon. Et en fait, c'est pas bon. Il est pas appliqué. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est à la fois aussi positif parce que ça veut dire que tous les décrets sont pas appliqués. On l'a vu avec le masque, on l'a vu. Voilà. Alors dernière anecdote avec le masque, c'est que le lundi soir, comme je l'ai dit, je suis allé à un festival de théâtre dans un château médiéval. En fait, donc on était tous entre gens qui avaient un pass sanitaire. Et donc public, pas de masque. Public dans un gradin. Dans une cour d'un château, donc à l'extérieur, hein, en plein ciel ouvert, et le gars qui dit ah bienvenue, bon voilà la pièce va commencer, tout ça, on est content de voir du monde et tout ça, ouais ok le gars il s'emballe, mais on doit vous demander de garder le masque. Ah c'est dingue ça, tu sais que c'est le contraire qui est demandé normalement. Eh ben. Voilà. Et pour moi, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est, j'ai compris que maintenant, tout lieu où il y avait le pass sanitaire, il n'y avait plus besoin du masque. Oui, ça, c'est la loi. D'ailleurs, c'est une arnaque, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas parce que t'as un pass sanitaire, parce que toi, t'as fait le test, t'es non vacciné, ouais. Non injecté, mais quelqu'un qui est vacciné, lui, il a pas fait le test. Donc, ça se trouve, il est positif. Ouais, tout à fait. Et voilà. Encore une fois, je dis pas que c'est cohérent, mais du coup, en fait, les gens, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent dans un endroit extérieur où tout le monde a le pass sanitaire et ils doivent garder leur masque pendant les 2 heures de théâtre. Mmh. Et alors moi, pour le coup, j'ai commencé, quand la pièce a commencé, j'étais en train de finir monter. Et du coup, tu as bulté non-stop. Je l'ai pas mis de toute la représentation, mais j'ai bien vu qu'autour de moi, on me regardait, qu'on lançait quelques aides. En l'occurrence, bon, c'est peut-être pas lié au Covid, mais le théâtre, il y avait que des gens de 50 à 60 ans, mais tous masqués, et ils sont heureux, comme ça. Mais là, là, par contre, c'est vraiment une erreur. Hein. En théorie, tu as le droit d'être non masqué. D'ailleurs, c'est ce que je critiquais ici, c'est que c'était bien une preuve qu'il n'y avait rien de sanitaire et que c'était juste un encouragement à se faire injecter. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, en terrasse, j'ai entendu des gens qui disaient ouais de toute façon ils étaient en terrasse donc ils étaient pas ils avaient pas le masque, ils buvaient un coup à la table, mais ils disaient ouais de toute façon moi je continuerai à mettre le masque dans la rue, etc. C'est important. Oui, après ça c'est les zélés ou les fêlés. Moi j'avais vu des nanas en photo là, ça traînait sur Twitter, qui se baignaient masquées, quoi. Ouais, ça c'est dans les pays du Maghreb aussi, non?
Non, non, c'était en France. D'accord. Ouais, donc un pays du Maghreb. Donc, voilà. Par contre, oui, non, parce qu'on voyait bien ses cheveux, on voyait bien sa peau. Ah, non, elle te ressemblait quand même. Hein. Ah, ok. Voilà. Non, blanche, mais voilà, mais éclatante. Pour dire qu'il y a pas mal d'incohérences. Alors, voilà, encore une fois, moi, pour mon témoignage perso, c'est qu'en fait, il y a des moments où, voilà, moi, quand je cherchais une pharmacie qui fait l'autotest et que, ben, on l'a pas, il le faisait pas, j'étais un peu décontenancé, j'étais pas bien. Et puis après, ben voilà, j'ai fait ce test antigénique, finalement, ça s'est bien passé. En fait, il y a encore des solutions. Alors oui, aujourd'hui, moi, dans les infos mainstream que j'ai vues, il y a le représentant des maires des villages, là, qui a imploré Castex de rendre la vaccination obligatoire à tout le monde. On sent que ça arrive sur toute la population. Ça, c'est peut-être quand même un truc qui est compliqué, c'est que prendre la vaccination obligatoire par l'État, apparemment, il y a un juriste qui expliquait que ça va être compliqué parce que, du coup, ils prennent la responsabilité. Alors oui, par rapport au fait que ce soit en ce moment, enfin, que ce soit encore en phase 3 et que ça se termine qu'en 2022-2023. Donc, c'est juste peut-être ça l'obstacle aujourd'hui. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour cette unique raison qu'ils ne rendent pas l'injection obligatoire. Et d'ailleurs, Divisio explique que là où peut-être parce que c'est une guerre d'usure, c'est que en fait normalement les premiers vaccins ce sera 2023 où ils vont sortir de cette mise en sur le marché conditionnel. Non, il y a 2022, il y a octobre 2022 et 2023. Non, octobre 2022, mais ils veulent changer la loi en disant on enlève une année finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait on a un tour de passe-passe, ça va redevenir octobre 2021 par exemple. Ouais, et en octobre 2021, ils vont dire bah non, votre argument de la mise sur le marché conditionnel, elle ne marche plus parce que c'est bon en fait. Voilà. Sauf qu'ils auront juste changé la loi en fait. Bah, on fera ça nous, si jamais tu as ton permis qui est retiré pour 6 mois, tu dis allez, c'est bon, il y a plus qu'un mois. Allez 3 mois. Allez. 3 mois, on n'en parle plus. Voilà, c'est ça. Donc en fait c'est ça qui est flippant dans une dictature, c'est qu'en fait ils changent les lois. Donc après, les choses deviennent légales, mais elles sont pas forcément légitimes, mais elles sont légales. On a décidé que tu te mettais une plume dans le cul dimanche de 14 à 17. Donc c'est légal puisqu'on l'a décidé. Donc voilà. Mais encore une fois, voilà, pragmatisme, prendre les choses une par une, jour après jour, et même si c'est pas facile, voilà. Il y a des solutions à chaque fois, on s'adapte. En tout cas, si je parle aux gens qui ne veulent pas se faire injecter, il faut pas se précipiter, quoi. Voilà, faut pas se précipiter. Alors oui, moi je pense qu'on lutte avec des gens qui ont des projets. On parlait d'Atali dans les années 80, etc. Est-ce que Rouel était un initié il y a 70 ans? Il y a des gens qui ont des projets sur des projets sociétaux sur 30, 40 ans, 50 ans peut-être. Et nous, on est en train de parler du 14 septembre, quoi. Donc, on joue pas dans la même cour. Ça, c'est vrai, c'est sûr. C'est compliqué. Mais à nos petits moyens, voilà. Tous ensemble, hey. Tous ensemble, hey. Non, mais voilà, ça sert à rien de se précipiter, en tout cas. Voilà. Et puis après, il va avoir la vraie vie. C'est-à-dire, moi, j'attends quand même que ma directrice me dise, on vous licencie. Alors, pourquoi? Écoute, j'attends de savoir pourquoi. Je pense qu'ils vont. Faut attendre. Franchement, je pense que tu auras gain de cause. Ils vont chercher la faute. Ils vont chercher quelque chose. Ils licencieront pas pour cause de non-injection. Moi, mon sentiment, c'est exactement comme le tien. J'espère ne pas me tromper. C'est que c'est guerre d'usure. On va essayer jusqu'au dernier moment et on compte sur quelque chose que tu peux voir toi au quotidien, c'est que les gens, si tu veux, on n'a pas besoin de leur mettre un flic derrière le dos pour que la personne, elle fasse du zèle. Elle reçoit un décret ou elle reçoit une note de service et comme quand tu étais en cours, tu sais, tu avais toujours tous ceux qui étaient devant, ils n'osaient pas tricher alors qu'ils pouvaient tricher ou alors ils n'osaient pas parler parce que le prof a dit qu'il fallait pas parler et ils respectaient toutes les consignes. Parce que voilà, il fallait respecter les consignes. Et même si les consignes n'étaient pas forcément justes, ils respectaient les consignes. Qui ne les respectait pas? Une infime partie de la classe. Donc ça existera toujours. Donc pour moi, après le 15 septembre, restera juste quelques récalcitrants. Je ne sais pas si ça se comptera en millions, mais ça suffira peut-être au gouvernement. Donc il faut que les plus, entre guillemets, radicaux
tiennent avec les solutions que tu évoques, avec aussi celles dont on parle depuis le départ, les manifestations, les boycotts, éventuellement les arrêts maladie, et puis voir après ce que feront les employeurs pour les gens comme toi qui sont soumis à l'obligation vaccinale. Moi, je me dis, imagine, bon, là, c'est dommage, il y a la moitié de la population qui s'est fait injecter, mais imagine que, comme en Guadeloupe, comme en Martinique, imagine qu'il n'y ait eu que 16% de personnes vaccinées, ils font comment au 15 septembre ? Tu vois ? Est-ce qu'ils prennent le risque de déshabiller un hôpital ? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le projet. Après, la nuance que moi je mettrais, moi je suis d'accord avec toi sur. Du coup, ça rejoint ce que tu disais. Je ne dis pas qu'ils le feraient pas, c'est que là, ce serait quand même marrant. Là. Tu vois, venir soigner des gens, ça veut dire quoi ? Qui ferait venir des soignants d'Allemagne ? Des soignants, ou alors ils demanderaient l'aide à l'Afrique, venez nous aider à soigner, on a licencié nos soignants. Ce serait marrant de voir leur logique, tu vois. Là, je serais curieux de voir ça. Peut-être, mais ça nous dira, de toute façon, à chaque fois, on va découvrir quelque chose et ça nous dira quelque chose de cette logique. Mais j'ai bien peur que les gens flanchent et donc on n'ira pas jusque-là. Peut-être. J'espère que non. Vu ce qu'on voit là, on peut penser que ça va persister et signer. Aussi, peut-être, et que ce que je disais aussi, ce que Orwell mettait en avant, c'est-à-dire que la nouvelle dictature, en tout cas si cette dictature elle ressemble à la société orwellienne, c'est que contrairement aux autres dictatures, elle laisse pas cette marge-là. Voilà. Elle veut que ça soit du 100% du total et que le progrès technique lui permet ça. Donc en fait, on n'accepte plus qu'il y ait 10% de la population qui soit un peu réticent et tout ça, et qui fait pas trop de bruit, etc. Ça serait la nouvelle tyrannie 2.0, elle serait celle-là, selon Orwell. Donc ça, moi, je me méfie. Et puis la guerre d'usure, le problème, c'est que eux, ils ont 10 ans devant eux, et nous, on n'a pas 10 ans. Alors tout dépend, le gouvernement, lui, il a un peu d'avance, là. Mais 2022, mai 2022, il y aura une nouvelle marionnette. Ouais. Mais voilà, il y aura une nouvelle marionnette. Ouais, mais peut-être que la nouvelle marionnette, elle va peut-être choisir quelques stratégies mineures de manière un peu différente, quoi. Ouais, peut-être. Mais on verra. On va tous crever. Voilà, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je sais pas trop. Si, je sais ce que tu vas dire. On me prend les matchs les uns après les autres. L'essentiel, c'est les trois points. Il y a quelque chose d'un peu sportif, peut-être. C'est que les sportifs de haut niveau, quand ils perdent quelque chose, même un tennisman, il perd un set, et il doit tout de suite se reconcentrer sur le set suivant. Voilà, et ça joue là. Donc, voilà. Et puis, il y a des moments d'humanité. Hein, moi, je veux dire, quand un patron de resto me dit, tu viendras avec ta fille, tu viens quand tu veux. C'est touchant. Donc, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Il ne faut pas les oublier. Après, d'ailleurs, ceux-là, on les retrouve sur antipass.fr et puis sur l'autre site que j'avais partagé, j'ai oublié. Ce qui est important, c'est... Je dis, ils sont là, c'est ces gens qui sont rebelles et qui ont des convictions et qui sont prêts à perdre leur job ou alors perdre leur job, que ce soit un job de soignant, que ce soit des barman, que ce soit des restaurateurs. Il y en a aujourd'hui là qui prennent des risques réels. Bon, ils s'affichent sur Internet, sur antipass.fr et l'autre site dont j'ai oublié le nom que je mettrai dans le descriptif. Eux prennent vraiment des risques, mais au même titre que toi et moi, ils ont des convictions et ils n'ont pas envie de s'effacer. C'est ça. Et je crois que c'est ça qui est important. Rebelle, ok, mais avec des convictions, parce que tu parlais de quand on était en cours et puis qu'il y en a qui suivaient les consignes, etc. Il y a aussi ceux rebelles. Oui, bien sûr. Oui, ils étaient anti-tout. Et voilà. Oui, mais c'était surtout pour montrer que c'était plus facile, hormis les établissements scolaires de Cassos, hein, ceux-là, je les comptais pas, mais naturellement, le prof a dit, on fait. Surtout quand t'es petit, ça marche bien. Non, la maîtresse, elle a dit. En fait, naturellement, le prof a dit, on fait. Ça ressemble à naturellement, le prof a dit, donc on fait l'inverse. Donc en fait, c'est la même chose. En fait, les disciplinés ou les rebelles, ils font l'inverse pour faire chier. Ils sont dans la même logique. Et ça, c'est pas intéressant. Et moi, ce que je vois dans les manifs, et moi, ça me concerne, c'est que je suis pas du tout un manifestant. On parlait l'autre jour des syndicalistes qui faisaient les manifs tous les samedis et qui savaient. Il y a un syndicaliste comme ça qui me racontait, qui était syndicaliste, qu'il savait même pas pourquoi ils y allaient.
Mais il savait que le samedi, il faisait la manif. Bah ouais. Systématique, voilà. Je suis syndicaliste, donc je manifeste, mais je sais même pas pourquoi. Là, ce que je vois dans les manifs, et ce qu'on entend beaucoup, c'est que, ah ben moi, avant, j'allais pas en manifestation. Et là, il y a beaucoup de gens dans les manifestations qui, c'est la première fois qu'ils manifestent, en fait. Et donc là, il y a quelque chose d'une conviction et d'une légitimité et de quelque chose de sincère. Ouais, il y a des convictions qui font que, et puis ils sentent qu'il y a leur, parce que les médias, en fait, réduisent ça au, oh, mais ils nous embêtent parce que ils veulent pas qu'on touche à leur liberté. Mais en fait, c'est pas qu'une question de liberté, c'est une question, je pense, de conception de la santé, tu vois. Conception de l'humanité, de la société même. Souvent, tu vois, je vais pas dire c'est quasiment les mêmes profils, mais tu vois des gens qui sont déjà très interrogatifs sur leur mode de vie. Tu vois souvent des écolos au sens noble du terme. Je parle pas de l'écolo bobo de Yannick Jadot, hein. Je parle vraiment des personnes qui ont des choix de vie, qui ont déjà un recul sur pourquoi je mange ceci, pourquoi je fais cela. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi et qu'ils sont pas juste dans l'opposition pour être dans l'opposition. C'est ça. Et ce que tu dis, moi, ça rejoint tout à fait le fait que aujourd'hui, ces derniers jours et dernières semaines, des fois, il y a des choses qui me reviennent de ces dernières 20 ans où je me dis, mais en fait, ça me plaisait pas. Alors, par exemple, là, quand tu parlais, je pensais à, tu sais, il y a un logiciel pour les collégiens, ça s'appelle Pronote, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a les notes et puis il y a aussi les absences et tout ça. Et je me souviens que la première fois qu'un parent m'en avait parlé, je sais plus qui c'était, et après d'autres qui ont parlé, il m'a dit, oh, c'est génial parce qu'on voit quand si le gamin s'il fait l'école buissonnière et tout ça. Et en fait, moi, ça me plaisait pas, parce que je me disais, comment tu t'instaures un climat de confiance avec ton enfant s'il sait que tu sais tout, en fait? C'est-à-dire que quand il est absent, il sait que tu le sais puisque le pronote t'envoie un message. Donc à quel moment t'instaures une relation de confiance avec quelqu'un quand l'autre sait tout de toi? Ouais, c'est de la surveillance, quoi. C'est de la je te fais confiance parce que j'ai la confirmation que je peux te faire confiance. Voilà. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, il n'y a pas de confiance. Si, voilà. C'est bien pour un élève cassos qui note jamais ses devoirs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, moi, je c'est tout des choses comme ça qui reviennent un peu et qui m'ont choqué ces dernières années. À chaque fois, des choses qui sont de l'ordre de, en fait, on fait plus confiance à la relation humaine. Et donc, ça touche aussi le progrès technique. Il y en a qui sont fin énervés du progrès technique. Et du coup, le progrès technique permet, voilà, cette surveillance, mais ça casse toute relation humaine. Voilà. Et ouais, c'est assez. On va vers ça parce que tout, même dans le travail. Moi, je suis dans le travail social. Rendre compte. Qu'est-ce qu'on a dit avec les gens. Voilà, on s'est toujours battu à dire, mais nous, on va pas vous raconter. On vous raconte l'essentiel. Quand tu parlais tout à l'heure de le médical, quand quelqu'un vient pas. On dit pas il vient pas parce qu'il a un furoncle au cul. On dit il a un problème de santé, point. Voilà, il y a ça suffit. Il a une contre-indication. On n'a pas besoin de savoir que l'autre il a un cancer du côlon ou une laryngite, quoi. Ça ne concerne pas, en fait. C'est que moi, naturellement, ça me dérange pas de dire si je suis injecté ou non, mais là, en ce moment, là j'ai presque plus envie de discuter. D'ailleurs, surtout si c'est un employeur qui me pose la question, parce que tout de suite l'injecté va te dire, il va tout de suite avoir un a priori et tout de suite penser que t'es un égoïste, il va vouloir te faire la morale comme si t'avais un QI d'huître et que lui c'était Einstein. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit, même, alors c'est ça, c'était la volonté du gouvernement, cette idée, enfin je sais pas si c'était une volonté directe ou indirecte, mais cette volonté de diviser et non pas de divisio. C'est ça. Ben alors moi, j'avoue que ça, je le vis pas parce que moi, j'ai repris le boulot. Mais putain, tu parles à personne de toute façon. Et j'ai dans mon institution, il y a absolument personne. Je croise zéro. C'est le mois d'août. Donc je bosse vraiment tout seul et sans collègue. J'ai croisé une collègue justement qui est infirmière et qui m'a dit qu'elle pouvait pas me faire l'autotest parce qu'elle a pas de compte Amélie ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, j'ai pas encore ce retour. Peut-être que début septembre, ça va venir. Oui, tu verras des gens qui te posent la question, qui vont t'emmerder. Et même, je parlais pas forcément, parce que bon, nous, on a que des amis complotistes, quasiment tous ne sont pas injectés.
Mais je parlais de monsieur, madame, tout le monde. Tu vois, la dernière fois, je jouais au foot, il y a un collègue qui m'a posé la question. J'avais raconté l'anecdote sur la chaîne System Deal. Et ce doc ne savait pas que lapsus, que le vaccin chinois était fabriqué avec un virus inactivé. Il ne savait pas. Pourtant, c'est son métier. Enfin, Et voilà. oui, et pourtant il fait la manche. Et pourtant, je fais la manche, ouais. Mais Je peux taper dans les placards ou pas? c'est impressionnant, effectivement, parce que comme il y a un dogme, il ne se pose pas la question, en fait. Non, il ne s'est pas posé la question et j'ai halluciné sur plein d'autres choses que j'ai échangées comme ça avec lui. Je dis, mais attends, il n'est pas curieux, il est médecin. Je sais Mais pas en fait. quand t'es musicien. Bon, après, je sais d'où ça peut venir. C'est comme le footballeur, par exemple, pour prendre cette analogie du sportif. C'est que, Messi à Paris. voilà, Messi à Paris, un Messi qui nous sauvera. Meilleur joueur du monde à Paris que je pourrais jamais voir parce que passe sanitaire. Bref, mais de toute façon, on sert à rien, foot business. Mais en tout cas, meilleur joueur du monde, parenthèse. En tout cas, par rapport au football, ça m'a fait penser à ça, c'est que le footballeur, en fait, il vit football tous les jours. Du coup, il en a rien à foutre du foot. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, pour la plupart hein, des footballeurs, ils ne savent pas qui joue à tel endroit, si l'équipe est là en Ligue 1, Ligue 2, etc., etc. Ils n'en savent rien. Et les passionnés. Si Thierry Henry, par exemple, lui, c'est un passionné. Il était passionné parce que c'était son métier. Voilà, il vivait foot, il jouait au foot, et puis quand il sortait de l'entraînement, il regardait encore des matchs de foot, il était passionné à fond. Et les médecins, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire, ils ont fait des études, et puis après, c'est alimentaire, quoi. C'est leur métier, ils ont appris les bases, ils savent que si tu as tel symptôme et il va te t'ordonner de prendre telle chose, mais il va pas être curieux d'aller voir ce qui se passe ailleurs ou même en France des études contradictoires. Il va rester dans ce qu'on lui a appris et puis il va aller vers le fameux consensus. Et dans consensus, il y a quand même Mais con. il ne faut pas oublier que nos élites, c'est des gens, quand je dis nos élites, c'est-à-dire ceux qui ont fait des grandes études, par exemple les médecins, les politiques, etc., c'est simplement des gens qui savent, qui sont disciplinés et qui savent apprendre par cœur. Les études de médecine, c'est ça, hein. C'est, t'es capable d'ingérer des choses, des grosses quantités de choses et les recracher. Donc en fait, ils ont pas. C'est pas forcément des gens qui se questionnent, hein. C'est pas le médecin, c'est pas forcément quelqu'un de cultivé, C'est pas le Dr House. quelqu'un qui se pose des questions, qui est réfléchi, etc. C'est quelqu'un qui, c'est d'ailleurs Louis Fouché en parlait. Il disait que, comment dire, c'est des agents en fait les médecins. Ils savent faire, comme tu dis, ils ont un mode opératoire. Et puis quand le mode opératoire il change, ils l'apprennent par cœur. Et puis voilà, il y a pas forcément de référence. Je dis pas tous les médecins sont comme ça, mais cette forme d'étude te pousse à devenir comme Oui, ça, ils sont quoi. très universitaires dans la Voilà. façon d'apprendre et même quand ils sont au boulot, quoi. Ils sont pas curieux pour un sou. Moi, je me rappelle d'ailleurs, je l'avais dit aussi dans un live, ces amis du foot avec qui enfin, ces amis médecins avec qui je joue au foot, je les avais surpris un coup échanger sur le curcuma et je me dis, mais attends, ils connaissent même pas la curcumine. Tu vois? Et je me dis, mais quand t'es médecin, à la base, tu sais quand même que le médicament, à la base, c'est des plantes. Tu vois, la phytothérapie amène la chimie, amène. Tu vois, on n'a fait que copier les molécules des plantes. On les a transposées à la chimie. Donc, n'importe quel médecin devrait savoir ça. Ou alors, ils ont carrément oublié, parce qu'en première année, ça m'étonnerait qu'ils n'en parlent pas. Alors, ils en ont peut-être parlé que pendant un cours. Mais les mecs, ils étaient en train de douter du bienfait de quelque chose qu'on trouve dans la nature et qui est même utilisé en médicaments, si tu veux. Et du coup, ben là, c'est ce que disait Divisio là dans la vidéo que j'écoutais avant qu'on discute ensemble. Il disait attention, les médecins, ils vont prendre cher de cette crise-là, parce que là, on a vu quand même beaucoup de médecins, en fait, qui appliquent ce qu'on leur dit. C'est-à-dire quand on leur dit faut prendre un Doliprane, vous leur dites de prendre un Doliprane et de rentrer à la maison, et ils l'ont fait en fait. Donc d'ailleurs, c'est rigolo. Combien d'adhérents Ah merde, ça français? enregistre plus. Ah. C'est arrêté De à toute façon, 4. j'arrive au bout de la batterie là. Ah, c'est arrêté à 87 minutes, truc de ouf. On va arrêter. De toute façon, je suis à 4. Ou merde, je suis à 5%. Donc. Bzz, bzz. On fait un mot de conclusion ou tu couperas, tu termineras tout seul. Non, vas-y, conclue, conclue. Ça enregistre là du coup? Ouais, ça enregistre en vidéo, après en audio, je sais pas si ça a bugué. D'accord.
Non, non, mais je disais juste, voilà, je pense que c'est les médecins. On a vu quand même beaucoup de médecins courber les chines, donc il y a pas, y en a qui sont rebellés, mais quand même il y en a beaucoup qui, voilà, qui ont appliqué ce qu'on leur a dit, même s'il fallait donner du Doliprane contre le Covid. Et d'ailleurs, en parlant de Doliprane, ça me fait penser que il y a énormément de Français qui prennent des Doliprane pour tout et rien dès qu'ils ont un peu mal à un coin de la tête. Est-ce qu'ils pourraient nous dire la composition du Doliprane? Ben non, en fait, ils prennent des cachetons. Ils savent pas ce qu'il y a dedans. Non, ouais, bah, ils font la même chose avec la nourriture. Ils regardent pas les compositions. Oui, voilà. Mais voilà. Donc, du coup, quand on te propose un vaccin et tu sais pas ce qu'il y a dedans, bah, c'est le même mode opératoire, quoi. Tu sais pas. Une injection. Mais, ouais, l'injection. Tu sais pas ce qu'il y a dans le truc, mais en fait, t'as toujours fait ça. Donc, tu te poses pas plus la question pour l'injection que pour le Doliprane, que pour ce que tu manges, que, voilà. Donc, c'est l'attaque inverse que j'entends d'ailleurs via les pro-injectés qui te disent, oh là là, qu'est-ce qui nous emmerde ceux-là? Ils savent pas ce qu'il y a dans leur coca, ils savent pas ce qu'il y a. Bah, si, moi, je sais ce qu'il y a dans le coca, c'est pour ça que j'en bois pas. Je sais ce qu'il y a dans la nourriture industrielle, c'est pour ça que j'en mange pas. Je sais ce qu'il y a dans le tabac, c'est pour ça que je fume pas. Et en fait, c'est pour ça que je disais que dans les manifs, je vois plutôt des gens qui se questionnent et qui, justement, parce qu'ils se questionnent, refusent d'aller se faire injecter. Je crois que c'est Karim de Ragnarok qui disait qu'on est des questionnistes, en fait. On n'est pas des complotistes. C'est exactement ça. Moi, j'étais monsieur pourquoi quand j'étais gamin. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Les enfants se demandent toujours pourquoi. Ouais, mais ça, j'ai gardé, moi. Mon père me disait, tu fais ça. Ouais, mais pourquoi? Parce que. Bah, même pourquoi? Ben oui. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude. Donc, l'alimentation, c'est ça. Bien. Vous avez été formidable, monsieur le chat maigre. Je ne sais pas si tout a été enregistré, mais on verra. Je pense que les gens vont zapper au bout de 10 minutes, mais en tout cas, c'était sympa d'échanger là-dessus. Et puis voilà, la technique nous l'a permis. Merci à la technique et au progrès scientifique. Et voilà. Eh bien, merci, monsieur. Sur mon téléphone, donc tout va exploser dans 5 secondes. Eh bien, merci, monsieur. J'envoie tout de suite une brigade auprès de votre logement pour vous injecter de force. Ok, très bien. Je l'attends de ce pied-là, de pied ferme. Voilà. Merci, très cher monsieur. Merci, Batmoon. À bientôt. À bientôt, monsieur. En manif. Salut. Au revoir. Bisous. Bisous. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.